Dans ce cours, nous finissons avec la quatrième partie de la forme, soit quatre mouvements. On tire la lance vers soi, on pourfend vers le bas à droite. Reculer et tournoyer. On recule le pied gauche, puis la main gauche empoigne la lance et on recule le pied droit en même temps. On avance en faisant tournoyer la lance et en même temps, on avance en position du demi-cavalier. Bien, je le refais une fois, regardez bien. On recule, on empoigne la lance. Reculer et tournoyer. On recule le pied gauche et la main gauche vient empoigner la lance devant. On recule le pied droit, puis on avance, on fait tournoyer la lance et on vient en position du demi-cavalier. Attention lors du tournoiement, ça se fait au-dessus de la tête. C'est la même chose avec le bâton, le sabre ou l'épée. C'est le tournoiement ou littéralement le nuage. Il suffit que ça soit au-dessus du front, on l'appelle alors nuage. Donc il faut bien lever la tête lors du mouvement. Maintenant, c'est à toi de le refaire. Position du demi-cavalier, barrer, rabattre et piquer. On barre, on rabat et on pique en position de l'arc. Barrer, rabattre et piquer en position de l'arc. Barrer, rabattre et piquer en position de l'arc. Position du demi-cavalier, barrer, rabattre et piquer. Reculer et tournoyer. Il faut bien coordonner les mouvements de la lance avec les déplacements. N'hésitez pas à décomposer en sous-mouvements ou à séparer le mouvement de la lance avec les déplacements seuls, puis à lier le tout. À la fin du mouvement, on recule légèrement le pied droit pour s'asseoir dans la position. Position du demi-cavalier, barrer, rabattre et piquer. C'est le mouvement de base en lance. Pratiquez-le bien en utilisant le transfert du poids du corps.
Tourner le corps et pourfendre. On tire la lance vers soi, on tourne le corps à droite et on pique vers le bas à droite. En même temps, on crochète le pied gauche sur l'autre jambe, puis on pose le pied gauche à l'arrière et on pique vers le haut de manière oblique. Bien, je le refais une fois, regardez bien. Tourner le corps et pourfendre. On tourne le corps à droite et on tire la lance vers soi. On pourfend vers le bas à droite et en même temps, on crochète la jambe gauche sur l'autre. Ensuite, on recule la jambe gauche et on pique vers le haut de manière oblique. Il arrive souvent de mal faire le crochetage de la jambe. Donc il faut bien tourner le corps et crocheter la jambe en même temps. On doit crocheter de manière stable. Ensuite, on recule le pied gauche et on pique vers le haut. Fermeture. On transfère le poids du corps sur la jambe gauche, on amène le manche vers l'avant et la pointe vers l'arrière. Puis on lève la jambe droite et on recule. On pose le manche au sol, en même temps le pied gauche rejoint l'autre pied et on pousse avec la paume vers la gauche. À la fin, on joint les pieds devant et on ferme la forme. Bien, je le refais une fois. Fermeture. Tournez le corps et pourfendre. Quand on tire la lance au-dessus de la tête, les bras sont tendus, donnant de l'amplitude au mouvement. Pourfendre finit avec le crochetage. Enfin, la poussée de la paume, le piquage de la lance en haut et l'écartement du pied sont simultanés et forment un mouvement d'ouverture du corps. Fermeture. La fermeture est le dernier mouvement de la forme de la lance. Le regard doit bien suivre la lance quand on vient la poser au sol. La lance à faucille est une longue lance à laquelle on a rajouté un crochet inversé au niveau de la pointe tranchante. Dans les batailles de l'Antiquité chinoise, on utilisait cette arme principalement contre les cavaliers ennemis. On cherchait à couper les sabots des chevaux combattants pour en faire chuter leurs cavaliers. Les lances à faucille sont apparues à la période des printemps et automnes. À l'époque de la dynastie des Song, l'utilisation de la lance à faucille a atteint son apogée. Dans le roman classique Au bord de l'eau à Lianshan, on utilise la lance à faucille pour écraser les chevaux enchaînés de l'armée des Song. Maintenant, on passe à l'enchaînement des mouvements du corps par Monsieur Huang.
présent, voyons l'ensemble des mouvements des troisième et quatrième parties de la forme par Monsieur Huang. Voici à présent la démonstration par Monsieur Huang de l'ensemble des quatre parties de la forme de la lance.